Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà les gars, j'ai acheté un kit Nuware. Donc c'est parti. Nuware c'est une alternative chinoise si je dis pas de conneries, mais qui fait le taf de fou. Je précise que je l'ai jamais ouvert, donc c'est la première fois que je l'ouvre. Et il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc notamment déjà une big pince. Ça c'est pas mal pour l'accrocher sur des trépieds, sur des sacs, etc. On peut voir qu'il y a toujours ce système de vis. Ça, c'est ce que j'aime bien chez GoPro, en fait, c'est que c'est super modulable. Du coup, ici, on a aussi également tout ce qui sert pour les voitures. Si on veut faire des tournages en voiture, des plans en voiture, ça, c'est super bien, c'est super intéressant. Le classique, hein. En fait, ce qui est bien avec Nuware, par exemple, ici, on a un mode d'emploi. Il y a anglais, français, chinois, machin. Et vu que c'est le mode d'emploi, ben, on sait quel élément sert à quoi, en fait. Ici, je peux voir, il y a le mini trépied. On a la ventouse qui est ici. Ouais, mais on a beaucoup trop de trucs, en fait. On a un bâton à le selfie. On a des sangles pour casque. Oh, ça, c'est bien. On a une poignée flottante. La poignée flottante, elle est là. Pas mal, ça, pour l'eau. Comment ça s'appelle? Une sangle de tête. Je crois que si je la mets comme ça... Mais je crois que je ressemble à Shoji dans Naruto, là, non? Putain, elle sert pas trop. Je peux la régler un peu sur les côtés. Ça, c'est pas mal. Et j'ai juste à venir, du coup, poser à GoPro comme ça. Ça va être bien. En fait, j'ai acheté ce pack aussi parce qu'il va être super utile. Parce que je vais me mettre à faire des vidéos un peu plus courses, sportives. Et des trucs un peu plus, on va dire, grimpe. Ou des trucs... Enfin, bref, des défis un peu plus physiques pour la suite. Je suis doucement en train de me préparer physiquement parce que... Je vous jure que 50 guindailles, ça détruit plus qu'un corps. Donc voilà, je tease, mais il y a des choses qui arrivent. Ensuite, là-dedans, on a tout ce qui peut servir. Ce sont des accessoires. Je vais les laisser entre eux. Mais en fait, ceci, c'est ce qu'on accroche autour des trépieds. Et ça nous permet de créer des nouveaux plans. Et ça va être une tuerie pour les réels. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que dans l'espace... Chaque endroit a un élément pour... Enfin, c'est super bien rangé dans la valise, en fait. Et du coup, c'est trop bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce serait pas la sangle? Ah, je crois que c'est la sangle du poignet. Ça se met comme ça, du coup. Oh, dinguerie. Ok. Attendez. Je crois que je viens de capter. Donc, il y a la sangle. On la ferme bien comme ceci. Hop. Je crois qu'on vient comme ceci. Ah ouais, c'est comme ça. Bon, je ne l'ai pas très bien mise, mais j'ai compris le principe. Ça me fait un peu penser à style Iron Man ou quoi, si j'avais la GoPro. Ok, c'est pas mal. Je vais le laisser dans les emballages pour le moment. Je sais pas ce qu'il y a dedans. En tout cas, on peut voir que la marque Nuware est un peu partout sur tous les accessoires possibles. Ok, on a une sangle. Donc là, c'est toutes des réserves. Est-ce qu'il va servir d'accrocher les éléments? Je suis désolé pour le micro, mais ok, ça c'est le petit kit à pas. Voilà, j'ai un peu du mal. Ok, ça on touche plus. Donc ça c'est une bouée les gars. Ok, original. Ensuite, on a Masta. Système de fermeture et d'accrochage. C'est cool. Parce que j'en ai cassé déjà deux avec la GoPro. Donc ici on en a plein. Ça c'est top. Oh, je suis un peu... Oh, le joystick, on dirait une mini... On dirait clairement une matraque télescopique. Si Flavio, il voit ça, il va devenir fou. Boah, t'imagines, t'arrives... Bam. En gros, c'est un système de clips. Et en plus, ce qui est cool, vous pouvez voir, c'est qu'on peut visser et dévisser pour ajouter de la grandeur. Et ça, c'est une tuerie, en vrai. Ça, c'est pas mal. Je vais faire ce sachet. Ça aussi, c'est une tuerie. Ça, c'est ce qui va me permettre d'aller courir et de documenter mes petites courses. Par contre, ça a l'air super compliqué à mettre. Ah non, je retire ce que j'ai dit. Il y a un truc spécial sur le côté. Bon, allez, attendez, je vais le tester en live. Ok. Hop. Hop. Ok, c'est pas mal ça. Et on vient fixer comme ça là. Imaginez, je peux faire ça maintenant. Ah non, j'ai rien dit. C'est pas comme ça que ça se fait.
Comment est-ce que je mets la GoPro là-dessus, moi? Attendez, c'est tous les mêmes, là. Ah, voilà, c'est celui-là. Ok, bah, on va le laisser, hein, du coup. Et hop, elle sera faite. Oh, c'est une tuerie, ça. C'est une méga tuerie, les gars. Et ça, attendez, il y a l'autre. Ah, mais non, je l'ai sur la tête. Je crois que c'est celui-là. Ouais, celui que j'ai sur la tête, il sert pour aller sur les casques. La pince, c'est pour aller sur les sacs à dos. Mais c'est une tuerie. Imaginez, j'ai plusieurs GoPro. J'en mets une là. On a un bracelet montre aussi. Directement pour être... Enfin, pour pas avoir ça. Eh, franchement, ils expliquent bien, en vrai. Franchement, je suis pas déçu du tout. Bon, je suis toujours sceptique pour ça, pour faire une bouée, parce que je comprends toujours pas à quoi ça sert, mais... Ouais, pourquoi pas. Et là, il y en a un trépied. Un GorillaPod pour GoPro. Oh, c'est une tuerie aussi. Mais ça va changer toute ma perception de la vidéo, ça, pour la rando et tout. Oh, c'est une tuerie. Et il a l'air d'être costaud, en plus. Oh, attendez, mais c'est une dinguerie. On peut les faire évoluer ensemble. Un peu la version des Bagougan, à un moment donné, on pouvait les mixer et tout. Vous imaginez la dinguerie que ça peut faire si je veux faire une perche. Genre, franchement, les gars, je vous le recommande parce que je sens qu'on va jouer, mais comme des petits fous, que ce soit pour les sports extrêmes, la rando et autres, je pense qu'il y a des possibilités de fou là. Et je pense que ça va être une dinguerie, donc soyez à l'affût. Sur Instagram, ça va commencer à bombarder, je pense. Enfin, à bombarder, on va vite se calmer, ça va être lentement, mais sûrement. C'est même pas 30 balles, les gars. Attendez, mais j'ai toujours tous les accessoires, en fait. Voilà, les gars, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite, du coup, à vous abonner, liker, c'est pas une vidéo de fou. On est juste là pour faire un pack opening. La bisette, l'équipe, et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.